Salut les amis, et puis nous voici pour une nouvelle vidéo tutoriel, je dirais, avec Waco 6. Alors cette vidéo est tout simplement le premier épisode de la longue série Comment programmer en C. Alors bon, série qui va vous montrer du début à la fin, de A à Z, comme je dirais, comment programmer, c'est-à-dire que pour les débutants qui ne savent pas programmer du tout et qui n'y connaissent rien, jusqu'aux expérimentés et devenir, enfin, savoir manier la programmation en C. Alors, de très prochaines vidéos, enfin, de vidéos à venir, étant donné que celle-ci c'est la première et non la doute, je vous invite à me suivre sur ma chaîne pour voir un peu, c'est-à-dire différents épisodes et ensuite les vidéos projets. Alors, qu'est-ce que j'entends par vidéos projets? Ce sont tout simplement les vidéos, les petits projets en programmation que je vais faire, que je vais vous inviter à faire par vous-même aussi pour pouvoir progresser en programmation en C. De plus, alors, peut-être que je l'ai déjà dit, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, si le principe vous plaît, laissez des petits j'aime sur mes vidéos. Ça me ferait toujours plaisir. Pour ces vidéos, j'ai choisi comme système d'exploitation Windows. Tout simplement parce que je trouve que c'est plus sympa. Peut-être pas plus sympa parce que les autres, comme Mac et Linux, sont aussi sympas. Mais qu'il est quand même plus utilisé par un plus grand public, je pense. Voilà. Sinon, je pense faire une deuxième série pour montrer comment utiliser sur, enfin, comment programmer, pardon, sur Linux. Mais par contre, sur Mac, je vous préviens, ce ne sera pas possible pour la simple et bonne raison que je ne possède pas de Mac. Alors, peut-être sur Linux, dans une autre saison, enfin, une autre saison, une autre série, pardon. Pour, en ce qui concerne, alors, sur Linux, si je fais vraiment cette série, je pense que je programmera en console. Pour Windows, là, pour les débutants surtout, je préfère comme vous expliquer, rester dans le plus simple possible, car si on a des débutants, pour qu'ils puissent nous suivre petit à petit, je vais utiliser un logiciel de compilation. En ce qui concerne ceux qui savent, qui ont déjà des bases pour, enfin, qui connaissent un peu la programmation, qui savent programmer déjà, bon, il n'est pas vraiment nécessaire de regarder cette vidéo. Vous pouvez peut-être commencer à regarder à là où vous connaissez un peu moins bien, voilà. C'est pour ça que c'est le but de ces différents épisodes. Et voilà. Donc je pense que dans cette vidéo, tout d'abord, je vais faire une présentation globale de la programmation et de nos futurs outils, je dirais. Sinon, alors, la programmation. Étant donné que c'est le but de cette vidéo, faudrait déjà savoir qu'est-ce que c'est que la programmation. La programmation, en fait, c'est tout simplement, comment vous expliquer, une suite d'instructions qui va être donnée à l'ordinateur, que lui, il va effectuer. Alors, il faut savoir que l'ordinateur est très feignant, et puis très bête aussi, mais par contre, il est très obéissant. Alors, ça, je peux vous le dire. Toutes les instructions que vous allez lui donner, il va l'exécuter, si ceci est bien programmé, dans un... enfin, voilà. Il est bien programmé. Sinon, alors pour programmer, faut savoir aussi que si je fais, enfin, le titre de cette série, savoir comment programmer en C, c'est-à-dire que le C, alors comment vous expliquer, c'est un langage de programmation. Alors qu'est-ce qu'un langage de programmation? C'est un langage, comme on dit son nom, comme le français, l'anglais, l'espagnol ou autre langage, qui permet de communiquer avec l'ordinateur. C'est un langage bien précis, avec des caractéristiques bien précises. Alors, pourquoi j'ai choisi le langage de programmation C? Tout simplement parce que je trouve que c'est un langage un peu plus complet que d'autres. Mais faut savoir que c'est le langage, enfin, je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est le langage le plus compliqué. Alors, autant vous dire qu'une fois que vous saurez maîtriser le C, vous ne saurez normalement maîtriser tous les autres langages qui existent. Voilà, alors sinon d'autres langages de programmation, il en existe. Il faut savoir qu'il en existe pas mal. Il y a le C++ qui est le C mais en plus développé, dira-t-on. Mais je veux bien, par exemple, faire des vidéos à venir en C++, même si c'est pas trop sûr. Mais il faut savoir que je préfère quand même que vous sachiez utiliser le C d'abord, et ensuite on verra pour le C++. Il y a aussi comme langage de programmation le Java, le Python, le Basic et d'autres que vous aurez le temps de voir ou de voir si vous faites des petites recherches sur Google.
Sinon, alors, pour programmer, c'est très simple. On va utiliser un logiciel qui s'appelle CodeBlocks. Alors, CodeBlocks, pourquoi je l'ai choisi comme logiciel, étant donné qu'il en existe d'autres, comme Microsoft Virtual Basic, C++, je crois, qui lui, par contre, est payant. Alors, si je dis qu'il est payant, c'est que CodeBlocks, lui, il est gratuit. Alors, tout le monde pourra l'utiliser, mais je ne suis pas favorisé si vous possédez Microsoft Virtual Basic C++, vous pourrez aussi l'utiliser pour me suivre. Sinon, alors, je veux tout de suite vous montrer comment se fournir ce logiciel. Vous allez dans, alors, on va ouvrir une nouvelle page, un nouveau navigateur, et on va aller tout simplement sur Google. Voilà, et à partir d'ici, vous allez taper CodeBlock. CodeBlocks, pardon, avec le S à la fin. Voilà. Et vous allez sur le premier lien qui est CodeBlocks 2.2. C'est un code 2.2.blocks. Voilà. Et on se retrouve sur le site officiel de CodeBlock. Vous allez, on possède différents onglets. Alors, on a, passe l'onglet Home, Filter, Download, Forum, Wiki. Nous allons aller dans Download. Et maintenant, on se retrouve ici avec trois grands points. Download the binary release, download the source code, etc. Alors, on va tout simplement cliquer sur le premier lien. Download the binary release. Et ici, normalement, si on regarde, il nous propose le logiciel, mais pour différents systèmes d'exploitation. Alors, on a pour Windows, pour Linux, soit 32 bits, 64 bits, ou pour Mac OS X. Alors, comme mon petit tuto se déroule sur Windows, moi, je vais choisir, enfin, choisissez Windows. Mais vous pouvez, je pense, me suivre aussi sur tous les, quel que soit votre système d'exploitation. C'est ce qui est bien avec ce logiciel. Alors, par exemple, sur Windows, on trouve deux liens. Un premier, ainsi qu'un deuxième, où il y a marqué CodeBlocks 10.5, mainw-setup.exe. Alors, on va cliquer, on va s'occuper, on va essayer de récupérer, pardon, le deuxième lien. Alors, on a Download From, c'est-à-dire télécharger à partir de, et on va choisir Barely OS. Ou sinon, vous pouvez prendre l'autre hébergeur. Alors ici, on arrive ici, enfin, sur cette petite page, où on a un compte à rebours, et qui va normalement nous rediriger vers un autre site, où nous allons pouvoir télécharger le logiciel. Alors, tout est légal, rien de illégal. Voilà. Alors ici, on a un petit souci, je crois. Pourquoi il ne me redirige pas? Je l'ignore. On va essayer de refaire la manipulation. Ah, c'était bon, c'était nickel. Voilà. Alors, il nous redirige, pardon, sur ce site où on a un deuxième compte à rebours qui, une fois fini, va nous lancer le programme, enfin, le téléchargement du logiciel. Alors voilà, une fois qu'on l'a téléchargé, à savoir si vous avez un petit souci par exemple, le téléchargement ne se lance pas tout immédiatement. Vous pouvez cliquer lien direct pour voir, enfin vous lisez et puis vous allez vous retrouver. Alors moi je vais l'annuler pour la simple et bonne raison que j'ai déjà ce logiciel installé et tout. Je vous fais confiance pour l'installation. Il s'installe comme tout logiciel, très simple, voilà. Voilà. Maintenant on va lancer CodeBlock. Une fois que nous l'avons tous installé, nous allons lancer CodeBlock. Alors j'ai précisé au début de la vidéo que je faisais un tutoriel sur Windows, mais avec CodeBlocks, vous pouvez me suivre quel que soit sur Mac ou sur Linux. C'est génial, comme ça tout le monde pourra suivre mes tutoriels. Maintenant, on arrive ici sur cette page où on va tout simplement, enfin bon, je vais d'abord vous montrer comment lancer un nouveau projet, ouvrir un nouveau projet, et ensuite une présentation globale du logiciel. Alors on va aller dans, on a une barre d'outils, c'est-à-dire avec File, Edit, View, etc. Le logiciel, on peut remarquer les noms en anglais, mais bon. Si vous avez quelques bases en anglais, je ne vois pas ce qui vous empêche de l'utiliser. Alors on va aller dans la petite icône qui ressemble à une feuille de papier avec un plus jaune, qui s'appelle New File. On va cliquer dessus et on va aller dans Project, avec trois points de suspension. Maintenant, il nous ouvre cette petite page où nous avons différents types de projets.
On va choisir console application. On va faire go. Et maintenant, on va faire next. On va sélectionner notre langage de programmation, c'est-à-dire C. Faites attention pour ne pas sélectionner C++. On va sélectionner C. On va faire next. On va donner un titre à notre projet. On va l'appeler par exemple tuto épisode 1. Et on va le lancer. Alors moi, excusez-moi, on va le lancer. Voilà. Sinon ici, faites attention, il faut que vos deux cases, on a deux cases, on a create debug configuration et create release configuration. Alors faites attention que les deux cases soient bien cochées et ensuite finish. Ça, normalement, vous ne devriez pas avoir ce petit message. Voilà. Et maintenant, voilà, alors on se retrouve ici. Avant de pouvoir ouvrir notre dossier de programmation, notre code source. Alors, justement, code source. Qu'est-ce qu'un code source? Un code source, c'est tout simplement le fichier où se situent toutes nos instructions que si normalement on exécute, l'ordinateur lui va exécuter. Enfin, va effectuer, disons, dira-t-on. Alors, un code source, normalement, se termine enfin, avec l'extension .c, exemple main.c ou etc. Voilà. Présentation du logiciel. Alors, on a tout d'abord la barre menu, ou sinon la barre outils, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a une deuxième barre pour les nouveaux projets ou les projets que l'on avait auparavant sur lesquels on veut faire quelques petites modifications. Enfin, on a une troisième barre qui est un peu grisâtre, voilà, qui ne sert pas à grand-chose pour le moment. Une troisième, enfin une quatrième, pardon, où on a trois outils, enfin quatre plutôt. On a build, ensuite run, build and run, et enfin rebuild. Voilà. Et une quatrième barre que normalement on ne devrait pas trop utiliser, c'est la barre debug avec etc. Sinon, à gauche, on a un écran où se situent tous nos fichiers, c'est-à-dire tous nos codes sources. Par exemple, si on a Workspace, pardon. Ensuite, dans Workspace, on a notre projet tuto épisode 1. Et dans tuto épisode 1, on a un dossier qui s'appelle source. Alors, si on ouvre, on a dedans un fichier qui s'appelle main.c. Alors, justement, ceci est un code source. Si vous faites double-clic là-dessus, vous allez voir le code source qui s'affiche à droite. Alors, avant de décortiquer un peu ce code source, en bas, nous avons la barre, comme on vous expliquait, où on a les messages que renvoie l'ordinateur, par exemple, lorsqu'il compile, et etc. Et enfin, là où votre code source s'affiche, j'imagine que vous l'avez repéré, c'est la plus grande de toutes les fenêtres. Voilà, c'est ici. Maintenant, alors, petite présentation vite fait du code source que l'on a ici. Les deux premières lignes, on a normalement deux lignes vertes. La première est où il y a marqué include avec deux entrecouchés stio.h et la deuxième où il y a marqué des include entrecouchés stdlib.h. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, si on prend la deuxième ligne, des include avec stdlib.h, cela signifie, si on décortique stdlib, ça nous fait standard, qui veut std qui veut dire standard, et lib qui veut dire tout simplement librairie. Et .h, c'est l'extension du fichier. Alors, pourquoi .h, c'est un header, mais nous verrons qu'est-ce qu'un header dans les vidéos à venir. Alors, en fait, à quoi sert ce fichier? Normalement, enfin, pour vous prévenir, normalement, dans tous nos programmes, nous devrons inclure ces deux fichiers. Inclure. Alors, comme le dit include, qui veut dire inclure les deux fichiers que l'on a entrecouchés. Il faudra toujours les inclure. Alors, retenez ça bien. Toujours. Par exemple, standard, librairie standard, et l'autre, c'est io, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais c'est quelque chose de standard. Ce sont comme deux dictionnaires, dira-t-on, que lorsque, par exemple, nous allons essayer de communiquer avec l'ordinateur avec des mots-clés. Par exemple, dans notre programme, on a une fonction qui s'appelle printf. Printf. Alors, l'ordinateur ignore complètement qu'est-ce que cela signifie. Il va aller chercher dans le dictionnaire que nous lui avons inclus
Qu'est-ce que cela signifie? Il va voir tout simplement que print f signifie afficher. Alors, il va nous afficher, par exemple, ce qu'on a entre parenthèses. Voilà. Alors, quand il va voir afficher, il va tout simplement afficher, comme je viens de vous le dire, ce que nous avons entre parenthèses. Alors, entre parenthèses, nous avons des crochets, on peut pas décrocher des guillemets, entre guillemets, hello world, slash n. Alors, slash n, faut savoir aussi que slash n, c'est pas quelque chose que l'ordinateur va afficher. C'est-à-dire que le slash signifie que c'est, comment vous expliquer ça, une espèce de balise. Et donc, en fait, slash n signifie aller à la ligne. Donc, lorsqu'il va voir, il va afficher hello world. Ensuite, lorsqu'il va voir slash n, il va aller à la ligne s'il doit afficher encore d'autres caractères. Voilà. Et sinon, nous avons une deuxième fonction qui s'appelle return. Alors, return, il va aller encore regarder notre petit programme. Enfin, l'ordinateur, il va aller regarder dans le dico qu'on lui, nous lui avons inclus. Qu'est-ce que signifie return? Il va voir que return signifie renvoie 0 si, par exemple, le programme a bien marché. C'est-à-dire que après avoir affiché Hello World, il va nous afficher 0 si le programme s'est très bien déroulé. Ensuite, nous avons bien une ligne qui s'appelle int main avec des parenthèses. Ceci signifie main qui veut dire principal. C'est-à-dire que c'est la zone principale de notre programme. C'est ici que l'ordinateur va commencer à lire tout le programme. Donc, par exemple, vous pouvez avoir, comment vous expliquer ça? Dans vos programmes, vous pouvez avoir plusieurs parties. Le main, étant donné, comme son nom l'indique, principal, c'est la partie principale. Donc, c'est cette partie que l'ordinateur va lire uniquement. Et en fait, par exemple, dans le main, vous pouvez avoir d'autres parties. Si votre, et que vous indiquez où se trouve cette partie, l'ordinateur va s'arrêter, va regarder où se trouve cette partie, va lire l'autre partie et va revenir dans le main. Je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, mais normalement, vous allez comprendre ça dans les vidéos à venir. Maintenant, quelque chose d'autre à savoir. Une instruction. Alors, une instruction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fonction, comme je l'ai dit. Par exemple, print. À la fin de chaque fonction d'instruction, vous faut toujours mettre un point virgule. Un point virgule, parce que si vous ne mettez pas le point virgule, il ignore où s'arrête votre instruction. Alors, par exemple, c'est comme si je vous disais avancer, puis reculer, puis sauter. Si vous ne mettez pas entre avancer et reculer un point virgule, il ne pourra pas, j'imagine que, comme vous le savez, avancer, reculer en même temps, ce n'est pas possible. Donc il faut d'abord qu'il sache qu'il faut d'abord avancer, ensuite s'arrêter, reculer ensuite, et enfin sauter. Voilà, c'est, enfin je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, mais voilà, c'est un peu ça. Ensuite, nous avons deux crochets, je dirais, dans lesquels se situent nos instructions. Alors, en fait, il permet de délimiter toute la zone d'instruction de main. C'est-à-dire que entre ces deux crochets sera inscrit toutes nos instructions et une fois que le crochet sera fermé, ben, ce sera fini. Même si vous mettez des choses ensuite, l'ordinateur ne va pas exécuter ce qui se trouve en dehors du main. Voilà. Sinon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous expliquer. Alors, notre programme, normalement, ceci, je vous laisse le suspense. Essayons de lancer le programme pour voir qu'est-ce qu'il effectue. Nous allons cliquer sur Build and Run. On va s'entendre quelques instants. Alors, attendez, je crois que j'ai un petit souci. On va faire Build. D'abord. Ensuite, on va faire. Un petit souci, moi, par contre. Je pense que. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que j'ai un petit souci au niveau de. En fait, il y avait un programme déjà qui s'appelait Tuto épisode 1 et que du coup, j'avais un peu modifié. Donc, ce qui se passe, c'est que les modifications que j'avais intérieurement, j'arrive pas à les changer. Donc, je vais faire un nouveau projet rapidement pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça constitue. Alors, voilà, comme je vous l'ai montré précédemment, on va l'appeler tuto épisode 1,2, 1,2. On va faire next. Voilà.
On va ouvrir notre fichier. Et maintenant, bon, vous voyez que rien n'a changé, tout simplement parce que c'est un nouveau fichier, un nouveau programme. Et que normalement, là, si je l'exécute, je fais build and run. Normalement. Voilà. Alors, on arrive sur cette fenêtre noire. Vous allez me dire, oh, qu'est-ce que c'est que cela? En fait, c'est notre programme. Oui, je sais, c'est moche. Effectivement, c'est très moche. Tout simplement que notre programme s'effectue en console. Alors, il faut savoir de plus que des programmes, enfin, comment vous expliquer? Il existe deux types de programmes. Des programmes qui s'exécutent en console et des programmes qui s'exécutent en fenêtre. Alors, la console, c'est ce que vous pouvez observer ici présent. Cette fenêtre noire où s'affichent toutes vos instructions. Et la fenêtre, le programme en fenêtre, c'est, disons, un même programme, mais avec une interface graphique, c'est-à-dire que des designs, par exemple, comme Paint. Là, c'est un programme pour vous, comme tous les autres programmes, mais en fait, ici, il y a une fenêtre parce qu'il y a du design. Un vrai programme, en fait, au fond, si on supprime, par exemple, tout le design qu'il y a ici, on retombe sur cette fenêtre noire. Alors, je vais vous expliquer ça aussi dans les vidéos à venir. Voilà. Alors, j'imagine que votre premier programme, vous êtes quand même assez content. Si on essayait, par exemple, de faire un copier-coller de cette première fonction, printf, on va faire CTRL-C, à la ligne CTRL-V. Et que par exemple on essaie de modifier le texte. On met, je sais pas, bienvenue dans mon nouveau programme avec un point d'exclamation. Alors, on va faire de nouveau build and run. Et qu'est-ce que l'on observe? Hello World, bienvenue dans mon nouveau programme. Voilà, vous pouvez être quand même fier de vous. Voici votre premier programme. C'est déjà pas mal. Et puis sinon, vous pouvez vous amuser à faire, enfin, à afficher du texte comme ça, à faire plusieurs trucs. Alors, je vous laisse un peu vous occuper. Par exemple, quel exercice que vous pouvez vous faire, vous donner pour la prochaine fois? Je l'ignore. Un petit truc que j'aimerais vous faire remarquer. Par exemple, si on met aimer, par exemple, moi j'aimais, je sais pas, laisser un j'aime sur ma vidéo. Alors, jusqu'ici, tout allait à correct, nous sommes d'accord. Maintenant, si on essayait de le faire exécuter pour voir qu'est-ce qui se passe. Effectivement, nous avons laissé un j'aime sur ma nouvelle vidéo. Mais si on regarde le mot vidéo, nous avons un problème au niveau du E avec l'accent. Alors, je vous explique. En fait, en programmation, il est pendant quelque part interdit de, comment vous expliquer, d'affecter des mots avec des accents. Tout simplement parce que l'accent est un caractère et non répertorié en même temps que votre programme. C'est-à-dire que lorsque vous avez mis le E accent aigu, il va aller chercher à quel caractère cela correspond et malheureusement il ne sait pas où cela se situe. Alors ce qui fait qu'il va afficher un autre caractère à la place, un caractère codé avec le même code que le E aigu et que bon voilà, ça va nous afficher ceci. Alors ici on ferme la fenêtre. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué mais avant nous avons Hello World, laissez un j'aime sur ma vidéo et en bas nous avons Process Return 0. Alors, en fait, voici à quoi sert la ligne que nous avions, Winter 0. Il a retourné 0, ça veut dire que notre programme a fonctionné parfaitement. Et pour fermer correctement votre fenêtre, il nous affiche Press any key to continue. Il affiche, donc, si vous appuyez sur n'importe quelle touche, il va se fermer correctement. Voilà, sinon, alors, pour la prochaine fois, ce que vous pourriez me faire, ce serait d'afficher un texte. Et d'essayer d'aller à la ligne. C'est-à-dire, comment vous expliquer? Vous me mettez différentes phrases. Faites votre, comment dire ça? Votre imagination marcher. Vous m'affichez plusieurs phrases et puis vous allez à la ligne. Vous faites un joli petit texte. Ça fait ça pour la prochaine fois. Et puis, sinon, voilà. Et après, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prochaine vidéo avec Wacosis. Allez, salut tout le monde.